Bonsoir à tous. Alors là, nous sommes dans un lieu qui s'appelle la maison des sorcières. Je vais passer par la fenêtre. C'est un lieu qui est réputé être hanté. Alors là, il est 1h du matin et je vais vous faire cette vidéo. C'est dingue. Je suis tout seul. C'est parti. Apparemment, la partie, c'est assez grande. Oh là, il n'y a plus rien. Oh, c'est une maison qui est depuis longtemps abandonnée. Et le spot, on me l'a donné tout récemment. Alors, regardez-moi ça. Ah, la végétation pousse. Vous avez vu ça? Il y a plein de ronces. En plus, j'ai pas emmené de sécateur. On est dans la merde. Regardez-moi ça. Oh là là. Il n'y a même plus de toit. Ici, c'est pas la peine que j'aille. Et là, je vous le filme comme je peux. Hein. Parce que... Oh yeah. La structure amorphe est grave. En plus, je vous dis pas quand je suis arrivé avec la bagnole. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Voilà. On va traverser le plancher. Je vous laisse bien en bas, regardez. Oh là là. En plus, j'ai personne, hein, alors... Attention au voisinage, parce que quand je suis arrivé avec la voiture, tout s'est illuminé. Regardez. Avec un détecteur de mouvement. Alors moi, je dois faire vachement gaffe hein, de ne pas me faire gauler. J'espère qu'ils n'appellent pas les flics. Oh, c'est joli. Hein. Regardez-moi ça, je suis au premier là. Hein. Là, il y a des trous. Hein. Là, ça rigole pas. Alors moi, je fais gaffe où je marche. Elle est réputée hantée, celle-là. Hein. Oh, on va essayer de visiter le maximum qu'on peut. Là, je suis près de la fenêtre, mais je ne vais pas éclairer dehors. Hein. Parce que si je me fais coller, j'ai pas envie d'avoir à répondre aux gendarmes ou aux forces de l'ordre ce soir. Moi. Vous avez vu ça? Là, je suis tout au bord. Regardez, là, il y a le rez-de-chaussée. Waouh, ça, c'est une vidéo de dingue. Alors, ça, c'est une des maisons. Voilà pourquoi elle s'appelle la maison des sorcières. Parce qu'elle est réputée hantée. Bon, là, je suis seul, hein, vous le voyez. Hein. Il n'y a personne avec moi cette fois-ci. Je vous fais la vidéo tout seul. Il doit être 1h15, 1h20 du matin. Je vais voir pour ressortir et rentrer plus loin dans la maison. Je fais ce que je peux puisque je connais pas le lieu hein, du tout. Alors je vous fais quand même une vidéo correcte au maximum. Là je ressors à l'extérieur. Là je suis rentré. Il faut que je fasse gaffe avec l'éclairage. Si vous avez un peu de noir, c'est pas grave. On va essayer de rentrer plus loin du temps pour voir. Parce que d'après ce que moi j'ai vu, c'est quand même une grande structure. C'est pas tout petit. Aïe, il y a partout des ronces. Vous avez vu ça? On va essayer de passer. Ça, si j'avais su ça, je serais venu équiper autrement, moi. Hein. Comme avec juste une torche et quelques outils. Hein. Je vais faire le maximum. Et là, je sors carrément du lieu. J'essaie de rentrer un peu plus loin parce que d'après ce que moi j'ai vu, elle est quand même assez grande, la baraque. Maintenant, il est très probable que ce que je vous ai déjà filmé, c'est tout ce qu'il en reste. Je vois.
parce que le toit est complètement écroulé. Oh là là, il y a de la végétation partout. Je vais voir si je peux accéder par là. Là, c'est une vidéo sauvage, mes amis. On va passer par là. Dans les ronces et tout. Ah ouais. Je suis pas sûr de pouvoir filmer beaucoup plus que ce que j'ai déjà fait. J'essaie quand même d'éclairer parce que là, je sais pas jusqu'où elle va. Je vais aller plus loin. Encore là. Un inédit, une vidéo de malade. En plus, on est en pleine nuit. Et moi, je sais pas jusqu'où elle s'étend, en fait, la maison. Et en plus, il y a du voisinage autour. C'est pas juste évident. Ah non, j'arriverai plus à rien, là. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà filmé le maximum avant. Parce que si vous avez bien regardé, tout était écroulé. Là, je prends des risques de dingue. Là, on est au clair de lune, regardez. Et la lune. C'est déjà fait remarquer en arrivant. Mais bon, c'est le risque. Voilà. Tous les urbexeurs savent que... Ouais, là. J'essaie de voir comment je peux faire, si je peux trouver une autre entrée que celle que j'ai prise. Nous, on est rentré par là, hein, vous voyez. Et j'étais en haut. Hein. Je vais voir si j'arrive à... Je vais réduire le faisceau de la lampe, parce que là... On va essayer de passer par derrière. Je fais le maximum pour vous apporter des images. Et là, on est en pleine nuit. Hein. Enfin là, c'est pas du fake. Hein. Punaise. Ça. En tout cas, la torche est géniale. Ah oui, par l'arrière, ça va. Ah, ça va donner de belles photos pour Instagram aussi. Oh yeah, mais tout est écroulé, regardez ça, mes amis. En tout cas, moi, j'entends pas de fantôme. Si elle est hantée jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Allez, mais les photos que je vais pouvoir vous faire. Mais tout est foutu. En fait, il n'y a plus rien et plus de toit, vous voyez. Mais là, je prends des risques de dingue. Tout seul, dans les ronces, dans la merde. Je vais voir si j'ai une autre entrée. Ah oui, regardez-moi ça. Ça, on n'a pas encore vu. Allez, ça continue. Waouh, ici ça sent le mazout grave. Ouais. Ici il devait y avoir du fioul à un certain moment donné. Hein. Oh là là. Tout est en miettes. Yep. Ah, vous allez vous régaler, c'est dingue, regardez. Il n'y a plus de toit, vous voyez ça? Là je filme le ciel. Et là, c'est où on était juste à l'instant. Enfin, la nature a repris ses droits. Oh, super. Finalement, en rentrant par l'arrière, vous voyez, je vous filme. Quand même, là, on a quelque chose de correct. Là, ils sont venus. Et regardez, hein, vous avez vu? Des trous partout, des trous. Heureusement que j'ai l'habitude hein, de l'urbex, regardez, partout. Hein. Je sais exactement où marcher. Parce que là, si là je me blesse, j'ai pas d'aide. Il faut que j'appelle les secours immédiatement. Alors là, on va redescendre. On se prend le temps. Hein. Ensuite, je vous ferai des belles photos pour Instagram, olivier.renard.1447. Ça sent pas mal le fioul, là, c'est quand même dingue. Hein? Ah, une porte. On va la tirer. Peut-être un sous-sol. Waouh.
Ah ouais, là c'est sous la maison carrément. Ouais, mais moi je vais pas m'amuser avec les. Vu l'état où c'est, ce que vous avez vu, c'est vraiment prendre des risques de malade. Hein, si je me glisse là-dessous et qu'il y a quoi que ce soit qui s'écroule. Là aussi, vous voyez, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. On le voit. La charpente est morte. Au-dessus, il y a quelque chose ici, mais c'est vraiment pas solide. Envahi par la végétation. Alors là, un grand merci à la personne qui m'a donné ce lieu, parce que moi, je le connaissais même pas. Maintenant, je ressors, j'essaie de. Ah, comment ça sent le mazout ici? Incroyable! Je pense qu'à l'époque, ici, il devait y avoir sûrement la réserve. Je vais voir si j'arrive à tourner autour encore. On continue, hein. Nous, on était venus de là, on est d'accord. Hein. Et maintenant, j'ai réduit un peu le faisceau. Bon, il n'est pas réduit au maximum, hein, mais il faut quand même que j'y voie quelque chose pour pouvoir filmer. Mais là, on est au clair de lune. Et jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Hein. Mais ça, disons, je crois qu'on a fait tout le tour. Fait tout le tour. Ah, je vois plus rien plus loin, moi. Je veux bien essayer hein, de pousser un peu plus. Il faudrait que je ressorte de là. Regardez la taille de ce tronc. Cet arbre il doit être centenaire. La vache. Il faut que je regarde si j'arrive par l'extérieur. Mais je pense qu'on a dû faire le plus gros. Hein. Là, on a dû faire la totalité. Hein. Allez. Plus il y a des bruits hein, au loin. Hein. Dans le voisinage. Hein. J'espère que je ne les ai pas réveillés. Hein, parce que quand on arrive avec un véhicule, ça fait quand même un peu de bruit. Quoi. Et il a fallu que je mette les phares, évidemment, pour pouvoir rouler. Hein. Moi, je peux pas tout vous montrer, hein, parce que là c'est privé, là. Hein. Ce que vous voyez, là. Hein. Et c'est en fonctionnement, hein, ça, c'est pas abandonné. Mais là, il y a des terrains. Moi, je pense que là, on a fait le tour. Alors, ce que moi, je vais faire, je vais vous faire des photos Instagram. Encore de cette exploration. Et s'il se passe quoi que ce soit, je réenregistre. Il n'y a aucun problème. Mais magnifique quand même. Je vais vous faire encore une vue. Quand on arrive. Voilà. Quand on arrive, on voit ça. Vous voyez? Je réduis tout de suite. Je rentre à l'intérieur pour faire la conclusion. Bon, ensuite, je fais les photos. S'il y a quoi que ce soit, je réenregistre. Voilà, je vais me mettre ici. Ah ben voilà, sur ce, cette vidéo se termine. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.